Bonjour, je m'appelle Adam, j'habite à Avignon et je suis en seconde 11 dans le lycée Frédéric Mistral et je suis éco-délégué dans ce lycée et je fais partie du groupe de pilotage des éco-délégués. Alors un éco-délégué, il y en a un par classe, donc sur tous les niveaux, toutes les classes. Et en fait, il va servir à faire un relais sur les idées que les élèves dans leur classe ont sur le sujet de l'environnement ou autre, et nous le faire transmettre au groupe de pilotage. Donc, on est 10 dans ce groupe. Et nous, après, on voit quel projet on choisit de mettre en place, et on met en place plusieurs projets. Alors, avant le confinement, du coup, on avait lancé le projet des poubelles de tri sélectif, donc un peu partout. Donc on a équipé le foyer de poubelles de tri sélectif. Et on a équipé toutes les classes de poubelles de recyclage. On a aussi changé les chariots de ménage parce qu'ils n'étaient pas équipés pour faire le tri. Donc maintenant ils le sont. Et après on fait de la sensibilisation surtout dans les classes avec des passages, des vidéos, débats. Alors souvent on s'appuie sur une vidéo un peu choc, qui va nous permettre après nous de débattre sur un sujet, sur qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de la pollution. Enfin, c'est des sujets comme ça qu'on va traiter et qui vont nous permettre après d'avoir un avis. Et après, on fait une grande réunion avec tout le monde pour voir quelle action ou qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser le lycée complet avec le collège, la cité scolaire, on va dire, à lutter contre la pollution. Donc en fait, je faisais partie de la MDL et j'étais surtout touché par la situation actuelle de notre planète. Et du coup, j'avais entendu parler de ce groupe d'éco-délégués pilotage. Et du coup, ça m'avait intéressé d'en faire partie. Et comme j'avais des amis qui étaient déjà dedans, j'ai demandé pour en faire partie et j'en fais aujourd'hui partie. Et je suis fier d'être dans ce groupe. C'est la Maison des lycéens, c'est un organisme qui permet de financer des projets là par contre dans tout le lycée. Donc c'est eux aussi qui financent nos projets sur tout ce qui est l'environnement. Et y a plusieurs élèves qui en font partie, une vingtaine à peu près, et on se relaie pour organiser les carnavals, etc. Soit il y a déjà un organisme mis en place avec les éco-délégués dans chaque classe et chaque niveau, et dans ces cas-là, il suffit juste de devenir l'éco-délégué de sa classe. Ou alors, il faut qu'il crée carrément l'organisme. Donc, il va voir ses CPE responsables de son niveau et il demande à créer cet organisme. Et là, c'est un CPE qui prend en charge la construction de l'organisme et qui va gérer un petit peu tout ce qui est réunion, etc. et qui va mettre en place le système dans le lycée. Oui, rien qu'à l'échelle du lycée, on fait changer les mentalités parce que du coup, il faut savoir qu'en début d'année, on voyait beaucoup de personnes quand on sortait qui jetaient leurs mégots par terre ou qui jetaient leurs papiers par terre dans la cour. Et de faire ces débats à sensibilisation, ça les a quand même un peu touchés, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, avant le confinement, on ne trouve pratiquement plus aucun papier par terre dans la cour du lycée. C'est déjà un grand changement parce qu'avant, il y en avait énormément. Quoi. Je pense que oui, je vais continuer de le faire, donc si c'est plus possible de le faire dans le lycée, après mes années, du coup, mes trois années de seconde, première, terminale, si je peux plus le faire dans ce lycée-là, le faire dans une association, m'engager dans une association éco-environnementale, je pense que je ferai. Je vais prendre un exemple, moi par exemple, pendant ce confinement, j'ai mis l'objectif de faire le tri donc dans ma maison. Donc là, j'ai trié les déchets, je les trie maintenant. J'ai trois poubelles différentes pour trois types de déchets différents. Et ce qui fait que du coup, après, je sors les poubelles au moment du recyclage. Enfin, ce sont des actions faciles à faire. Ouais. N'hésitez vraiment.
vraiment pas à vous engager dans votre lycée sur que ce soit des éco-délégués ou alors de vous engager dans des associations qui acceptent les personnes mineures dans l'éco-environnement, même d'accepter de prendre l'initiative d'aller faire des clean walks avec vos collègues. Ça prend pas beaucoup de temps dans une journée, ça prend allez, 3 heures, mais ça nettoie un petit peu et c'est toujours utile pour dépolluer un petit peu.